Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En Luc 23, verset 34,
Cette parole, prononcée immédiatement après sa crucifixion, entre deux malfaiteurs, Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à sa condamnation et exécution. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En Luc 23, verset 43, adressé à un des malfaiteurs, en réponse à sa demande, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » La tradition se souvient de lui comme du bon larron, reconnu par l'Église comme saint Dimas. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. En Jean 19, versets 26 et 27, adressé à sa mère et à Jean, au-delà du devoir filial ainsi accompli, la tradition a perçu ceci comme la maternité spirituelle de Marie vis-à-vis des croyants, représentée par le disciple qu'il aimait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? En Marc 15, verset 34, et Matthieu 27, verset 46, criez à voix forte en araméen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Psaume 22, verset 2, c'est la souffrance suprême du sentiment d'abandon, la nuit obscure de l'homme Jésus. J'ai soif. En Jean 19, verset 28, prononcé pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, comme l'évangéliste. Jésus cite le psaume 69, verset 22. Ils m'ont donné du poison à manger et pour boire du vinaigre lorsque j'avais soif. Tout est achevé. En Jean 19, verset 30, prononcé après qu'il eut pris le vinaigre,
mission accomplie et paix retrouvée. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En Luc 23, verset 46. Et sur ces mots, il expira. C'est au Père que se rapporte la dernière parole de Jésus, comme le fut sa première. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? En Luc 2, verset 49.
esprit, nous pouvons dire.